dis bonjour tout le monde. Alors, je suis enrhumée. Je suis crevée parce que j'ai pas dormi. J'ai les cheveux mouillés parce que c'est moi ça qui est. Aujourd'hui, première journée, journée classique à Bordeaux. Là, je me dirige pour aller rejoindre Simon au Blablacar. Passer la journée à Bordeaux, ce soir on est à l'hôtel et tout ça. Attends, c'est où? Je me rappelle plus. Là, à droite. À tout à l'heure. Petite pause à une aire d'autoroute. J'ai mon téléphone parce que ma caméra est dans le coffre. On est quelque part sur la route. Arrivé sur Bordeaux, on a des petites trottinettes. Ça, c'est la classe, mais j'ai un casque. J'ai ce look. Moi, j'ai pas de casque, je suis nulle. Let's go to the centre of Bordeaux. Bonjour, bah du coup, j'ai rien filmé hier parce que bon, ça a commencé à être une petit peu une catastrophe avec les trottinettes. On a eu un bug de trottinette, on était hyper loin de là où on voulait aller. Donc, bordel. Là, on va partir à l'aéroport. Je vais juste vous faire vite fait un petit room tour de la chambre parce que c'est cool. On arrive sur cette partie, là, on a la salle de bain. Toute mignonne avec les toilettes là. Youhou. Ensuite là nous avons une petite kitchenette parce qu'en fait c'est un studio le truc. Et là la chambre. Aïe. Pff, je suis pris dans la chaise. Avec la petite vue sur l'aéroport qui est juste là. Et la piscine. Bon, je vais pas traîner parce que il y a Simon qui m'attend. Parce que sinon on va rater l'avion. Allez, à plus tard. Après avoir passé les portiques et la police des frontières, ça y est, on est dans le lounge 80. Prochaine étape, Faro. Moi aussi, on est tout trempé parce qu'on a pris la flotte pour revenir. Yes. Nous sommes dans l'avion, ça y est. Ouais, il pleut énormément, là, c'est l'enfer. A few moments later. Bon, nous sommes officiellement arrivés. J'ai pas filmé depuis tout à l'heure parce qu'on est allé au resto vite fait. Vite fait, genre normal. Je me montre pas parce qu'il est crevé. Allez, un petit round tour vite fait. Bon, là il y a le lit et monsieur à côté. Nous avons une petite salle de bain privatisée. C'est très sympathique. Voilà, voilà. Avec le bidet, yes. Voilà, si tu. Nickel, youhou. Maintenant, on va se reposer un peu. On va peut-être ressortir tout à l'heure. Voilà. Filmer un peu avec mon téléphone parce que j'ai pas ma caméra là, elle est à l'appart. Mais en gros, nous nous promenons à la plage qui est littéralement à côté. Et bah, il y a beaucoup de crème en fait. C'est un truc de dingue. Je vais essayer de vous filmer ça, mais on verra même pas. Hein. Mais je vais essayer de vous montrer. Regardez-moi tout ça! Et encore, il y en a une flopée, mais il y en a des milliers là. Regardez, regardez, c'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. On a fait une petite découverte hier soir. Il y a des endroits pour faire du sport. Alors je vous laisse me démontrer comment faire du sport assis. Ah, tutoriel. Voilà. Faire du sport assis et en plus avec vue sur la mer. Bon là c'est plus la vase honnêtement. Avec tous les petits crabes qui se baladent. Pouette pouette. Pouette pouette encore. Puis en fait pour aller se baigner c'est plus sur l'île là-bas. Faut prendre un petit bateau et on y va. Alors en fait, faut qu'on vous explique un délire. On a passé plus d'une demi-heure à essayer
de sortir un putain de Bernard l'ermite du coquillage. Et ce monsieur ne veut pas être délogé. Regardez, on le voit là. Et du coup, bah, on le ramène à la maison et on va le déloger là-bas. Petit sushi au bord de la mer. Voilà le sport du débutant. Non, je fais pas de sport, c'est confortable comme ça en vrai. Alors faut savoir qu'il a puté le truc. Non, je déconne. Non, non, oui, je sais. C'est déjà cassé. Alors, nous pouvons... Je sais pas si ça va bien se voir, mais bon, c'est un très beau coucher de soleil là. Et la lune là-bas, ça monte. Alors, si ça le petit point là, c'est la lune, mais elle est rouge. Elle est très grosse et rouge. Mais elle est très grosse et rouge, mais on la voit très très mal. C'est juste un point, quoi. Ouais, alors qu'ici, c'est vraiment gigantesque. Regardez, il y a des volants. On va faire pouet-pouet. Pouet-pouet. Je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin, niveau sport, c'est très moyen. Surtout quand que même c'est très souple. Hein. C'est très nul de faire du sport comme ça. Déjà, l'élégance sur un vélo elliptique, je crois pas que c'est connu. Enfin, les gens qui font du vélo elliptique, c'est très bien, hein, mais. Wow, vous êtes pas très stylés, quoi. Non plus, la qualité va peut-être pas être super parce que je filme avec mon téléphone parce qu'on est sorti de manger. Mais il y a littéralement un terrain où il y a tout en fait. Il est comme un dingue. Actuellement à Albufeira, nous allons faire du bateau, visiter les grottes et voir des boules. Lui il est comme un dingue là parce qu'on a vu un terrain de karting. Ça y est, il a pété un plomb. Ouais. Gars, c'est dingue ici, regardez tout ce qu'il y a. Il est dingue. Ah mais attends, mais... regarde. C'est des... Qu'est-ce que c'est ça? Non. C'est les hoverboards derrière. Ah, en effet. J'ai capté. Non mais regardez, c'est comme le truc de Action Park mais sur Terre. Des mini-cartes avec un petit terrain trop cute. Oh, il y a un petit logo là-bas. Il y a des gens qui font du quad. Il est comme un gosse là. Ah non mais vraiment. Regardez la couleur des bâtiments, c'est trop beau. Ça c'est trop bien ça. Tu t'assois dessus pour tourner, tu braques, enfin tu te penches en fait. C'est trop bien. Le gosse de 12 ans que je suis aurait adoré cet endroit. Bon, nous faisons une petite pause digestive avec monsieur. Ouais. On a une belle petite vue. Monsieur. On va peut-être faire du karting. Parce qu'on avait un karting interne. C'est très très sympathique. Nous sommes dans le bon. Donc on vient de faire une pause et en fait c'est une pause nage et c'est pas une blague. Les gens vont vraiment sauter. Oh, vraiment des gens. Oh,
C'est oh, c'est un petit plat ça. Tu peux même aller au... J'avais pas... Non. Oui, moi j'aurais aimé aussi qu'il y ait... Il se baigne. Toi ça tombe. Je viens de faire du karting ici. Bon, Simon il y a encore. C'est trop génial. One eternity later. Bon du coup, retour à Bordeaux. En fait j'ai rien filmé, je voulais filmer le départ et tout ça, sauf que bon... On va dire qu'il y a eu des petites péripéties, donc j'avais pas du tout envie. Parce qu'en fait il a oublié sa carte d'identité. Non, c'est pas qu'il l'a oublié, il l'a perdu. Donc du coup, ça a été une galère pour partir du Portugal, on a failli être coincé là-bas. Donc là on est à Bordeaux, ça y est. Et puis fin de ce petit vlog. J'espère que ça vous aura rappelé un minimum, parce qu'en vrai j'ai pu filmer énormément de choses. Parce qu'on jouait pour quitter aussi. Moi je filmais avec mon téléphone du coup parce que je suis un peu dépitée. Je vous fais des bisous. Plus tard.